Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que moi pas joué, mais à ce soir, moi j'étais devant instrument, devant orgue, moi pour passer jouer quelques morceaux. Donc moi pensais que c'est nécessaire pour moi partager les avec nous. Donc comme souhaiter que nous va gagner une très bonne audition. Donc que mon Dieu bénisse nous. Donc on va commencer avec quelques morceaux et nous connaît que nous fait tout ça c'est pour la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que nous vivons dans un temps qui est réellement difficile, des temps que nous ne sommes pas capables de comprendre, mais ça fait partie du message que nous tous avons supposé connaître, le message qui a été adressé au peuple de Dieu dans le livre de Révélation, dans les livres des prophètes Ézéchiel, Daniel et autres, Osée, qui était annoncé, nous bagay ça qui a fait, je veux dire. Chance à eux, si nous jouons, c'est pas que. Et nous baillons attention spéciale, mais c'était des chants de combat qui guérit un pile monde, qui fait un pile monde venir arriver à la connaissance de Jésus-Christ, qui c'est le vrai prince, le prince qui a des yeux comme du feu, et devant lui, c'est un couillon feu dévorant. Donc, chance à sous besoin qu'on ait qui est soit servi, qui est soit ou bien comme maître, qui est soit adoré. Donc, on nous adore, bon Dieu, ensemble, à travers la musique, ça, si vous connaissez, chantez, si vous ne connaissez pas tout, juste suivez avec nous. Bonne audition, à tout à l'heure. Merci. Thank you.
présenter morceau ça ou même. Et qu'on y a, moi pour présenter deux morceaux qui chèrent à moi-même. Yon la dan yo, se yon chante ke papa mwen te reme chante yon pil. Chak fwa ki li rentre nan kay lan, li mette men sou tèt nou, li priye, li te se yon nan chan ke li te reme chante. Deuxième chan, se yon chan ki, se yon eksperyans ke mwen te fè le mwen te New York, mwen pale de sa deja, kote bon te te delivre mwen nan situasyon difisil ke mwen te ye. E sa, se pa kite mwen o bon sauveur, koute kriye mwen. Même gens ou occuper les autres, yo pas passer loin moi. Chant ça, son chant de délivrance, pour moi qui ne pas jamais oublier pour ça qu'il t'a fait dans la vie. Moi, si je dis à moi à parler avec vous, c'est parce que l'aime dans un moment difficile, bon Dieu t'a délivré avec chant ça. Donc, restez à l'écoute. On a tourné tout à l'heure, nous allons présenter des chants ça. Thank you, merci.
supposé faire ouverture ça jeudi. Mais cependant, pendant que m'a joué quelques notes de musique ça que moi se présenter nous là. Surtout chant qui était qu'un pour titre tu payas mon salut par ton grand sacrifice au Jésus. Chanter ça tellement touchant, les tellement paroles tellement pénétrant, est tellement capable de rentrer dans vous-même que les hommes jouer musique là, il pas capable toucher vous. Je dis hein, c'est malheureux pour nous ouais comment conception l'évangile li éparpillé à travers le monde sous une forme qui est tout à fait différente du concept original que moun ki te concevoir plan salut ça pour nous, moun ki te concevoir plan ça pour nous, li pas du tout gen nan intention li pour li te gen un système qui présente de façon que nous gagnons aujourd'hui. Si nous allons dans la racine Bible, qui c'est fondation généralement de l'Église chrétienne, ou du moins si nous voulons suivre guide, ou bien guideline, ou bien et principe qui était établi dans le Nouveau Testament, parce que c'est là que la nouvelle Église prend naissance, ça veut dire que nous avons l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, qui commençait avec un concept qui est assez simple. C'est pas un concept qui était difficile du tout, c'était basé sur témoignage de Apotio qui te racontait l'histoire de Jésus, l'histoire du Créateur, Jean que histoire t'y est, pas de menti, pas de ajouté, pas de interprétation, il était juste diligent que lié. Si on lit le témoignage d'Étienne, par exemple, avant même qu'il était lapidé, on peut c'est un message qui est aussi simple et qui suffit pour parler et démontrer à quel que soit mon nom ce qui a trait à la grâce présentée par Jésus, l'étape vivre sous terre jusqu'à ce que l'y mourir et l'y aller. Ce n'est pas un message qui est compliqué du tout. Mais aujourd'hui, ça nous est un système compliqué que chaque monde a essayé de présenter d'une façon personnelle, d'une façon qui est tout à fait philosophique. Je ne pas croire que le Jésus t'a révélé Nathaniel, il t'a révélé Simon Pierre, littéralement André, Jacques, Jean et tout l'autre, littéralement des philosophes, des gens qui étaient tellement des connaissances avancées dans des universités et que c'est eux-mêmes qu'ils étaient besoin pour présenter le message de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a trait à nos jours, nous voyons que l'évangile est réduit à une récupération de l'argent dépensé dans les grandes universités. C'est ça que nous sommes capables d'essayer de faire. Une allusion parce que l'évangile c'est un bail qui est très simple c'est que bon Dieu créé nous après bon Dieu finit créé nous à travers l'histoire d'Adam et d'Ève tout le monde connaît que ces messieurs ont péché et après qu'ils ont fini péché donc c'est que bon Dieu t'est chassé au du jardin et malgré que le livre de Genèse lui expliquait les deux façons très 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 simple mais il y a un pile l'autre et fait de histoire ça qui continuait que vous pas raconté dans la Bible dans la Sainte Bible et qui bail en pile l'autre événement qui vivait après que vous fin chassé Adam et Ève dans le jardin la mort de Caïn et la mort d'Abel nous avons en pile événement qui passait nous connaissons les anciens nous connaissons en pile monde qui était vivent très très longtemps à cette époque nous connaissons monde qui était plus ancien que les mais tout cela. Et à partir du moment où ça, bon Dieu commence à faire alliance avec les hommes. Et à travers alliance, ça, chaque fois que bon Dieu fait alliance avec l'homme, moun yo arrive dans un point côté yo bloqué alliance, yo pas suivre alliance yo, et que alliance n'a pas kembe. Si nous voulons faire histoire courte, à la fin, bon Dieu dispose faire on l'autre alliance avec nous, mais alliance ça, il va inclure beaucoup plus que moun qui était original. Le fond songer à un point. Bon Dieu t'a choisi un peuple spécial, si c'est le peuple choisi, le peuple d'Israël, et qui pour qu'il t'ait dit, bon peuple, ça c'est le peuple, il a marché avec lui. Mais à travers le peuple, ça tout au cours de son histoire, il fait un pile fiasco, il fait un pile boubou, qui fait que l'alliance que bon Dieu t'a tracée avec lui, pas de jamais été capable de réaliser également. Dans ce sens, c'est ce qui a trait à la naissance de Jésus, parce que bon Dieu, finalement,
li fè an alians avèk l'om kote li dispose voye pòp pitit li Jésus-Christ ki vini et ensuite Jésus-Christ li menm lèl te vini nou konnen avèk témoignaj sa k te pase depi nesans li jiska sk li monte sou kwa c'est pas des miracles c'est pas des merveilles c'est pas des bagay ki te fèt pa gen moun du tout ki te kapab doute de la déité de l'extraordinaire habilité de ce prince de ce fils de Dieu qui a tant fait parmi nous. C'est que le message est très simple, le fils de Dieu est venu pour tous nos péchés, pour tout petit monde qui fait quel que soit moun ya ou péché ou gen bagay dans la vie ou qui pas bien. Donc c'est que ou pas aucun sacrifice pour faire ou pas rien pour payer ou pas gen l'argent pour bail parce que Christ paye tout sur le bois du calvaire. Donc c'est que à partir de cette naissance qui est de cette mort que Christ a subi sur la croix ou même ou ka juste rele li ou dit Seigneur, moi connais mon péché, moi fais ça qui pas bon. Je dis à moi rele au temps prie pardonner péché mieux bam la vie temps prie moi malade guéri moi. C'est seulement ça que dit l'évangile, li pa gen philosophie, li pa gen complication la dernière. Gien pile fois nous même ça que nous fait pour améliorer pour créer l'aspect religieux. Donc nous bali toutes sortes de formes, nous bali toutes sortes de noms, nous bali toutes sortes d'appellations, nous bali toutes sortes de saisons, toutes sortes de épices nous vide la dernière afin que nous capable assimiler li et faire li sembler à notre personnalité. C'est que la Bible li très simple, prêcher l'évangile c'est un bagage que yon ti moun 10 ans, 15 ans, 20 ans ka fait. Ou pas besoin de diplôme pour faire ça parce que c'est l'histoire de salut n'importe moun ka moun a tombé dans trou et pour dire moun nan, si ou continue faire ça ou a tombé dans trou, mes chemins pour faire de préférence pour pas tomber dans trou ça, mes chemins pour faire afin qu'ou kap jwenn la vie. Pas grand rien qui complique la donne. Pour qui raison je dis un message qui aussi simple, un message qui très 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 présentable que n'importe monde qui connaît histoire car dit n'importe monde OK on ne suspend vivre dans le péché, on ne suspend vivre dans la tromperie, on ne suspend vivre dans l'envie, on ne suspend vivre dans monde qui a volé monde, on ne suspend vivre couper toute vieille bagaille sale que doit faire parce que il y a un monde un petit bon Dieu un jour qui t'est venu qui t'est mort sur croix et sans là spirituellement capable laver péché. Mais avant même que nous arrivions sur les points du péché, grand pilote événement pour nous comprendre, c'est que le bon Dieu t'a créé l'homme. Bon Dieu t'a créé l'homme avec un corps physique. Ensuite, il t'a soufflé dans lui-même, ça a l'esprit. So, là, nous péchons, c'est que l'esprit, ça que bon Dieu t'a mis dans nous-mêmes, il séparé de nous-mêmes. Mais cependant, la solution, c'est que là, Jésus vini, Jésus restauré l'esprit, ça dans nous-mêmes. C'est que l'esprit, le Saint-Esprit, il vient rentrer dans nous-mêmes. Avant Jésus t'est venu, le Saint-Esprit était avec les hommes. Le Saint-Esprit pas sur les hommes. Le Saint-Esprit était comme marcher avec l'homme. Mais aujourd'hui, avec la mort de Christ sur la croix, c'est que qu'on y a, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et c'est ça que Jésus, dans toute histoire qu'il était bâillé, il était parlé avec une femme qui est la femme samaritaine. Il dit femme samaritaine, non, l'heure viendra où ce ne sera plus à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire. Ça dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit et dans ce corps habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est souvent représenté par l'huile, lui représenté par un bagage qui remplit ou littéralement rempli ou senti ou fort ou senti ou extraordinaire et ou senti l'Esprit qui a parlé avec vous, qui a ba ou une assurance, qui a ba ou une grâce, qui a fort connaît qui est-ce qu'il est. Je dis à si moi et moi t'avais parlé avec ou pour me parler de expérience que personnellement moi et moi fait avec mon Dieu, donc il t'a prend tout temps reste la vie moi plus que temps passé déjà et moi plus que 50 ans. Ça veut dire que même si m't'a prend tout temps passé déjà, m't'a multiplié par 20 par 30, m'pap jamais ka raconter tout ça qui passé dans la vie moi à cause de expérience moi avec mon Dieu, la présence de l'esprit à des moments côté li guider moi, côté li porter aide ba moi, côté l'esprit bon Dieu li consoler moi. Côté l'Esprit bon Dieu, li bon conseil. Côté l'Esprit bon Dieu, li aide m'étudier, li aide m'apprendre, li aide m'résoudre problème moi. Et li aide m'faire un pilote bagay. Parce que le ou vini ou prend Jésus-Christ, c'est pas seulement Jésus-Christ ou fait, ou vini avec toute features yo, avec tout élément qui vini avec lui. C'est ça qui fait un homme qui a Jésus dans sa vie, c'est un homme béni, c'est un homme qui a tout ce qu'il faut pour réussir. La réussite, moi j'ai réussi, j'ai fait tout bien et Dieu m'a aidé pendant mes 50 ans. Donc, m'pa ka raconter mais cependant il y a tellement des choses que mon Dieu fait dans la vie moi
Et bon Dieu, il rend moi un homme heureux, dans une famille heureuse, des enfants heureux, et des choses que moi apprécie que du tout dans une nature de péché que ne pas jamais capable endurer parce que le nature du péché ça que il fait il abuser ou il mettre dans position côté ou pas capable gagner un contrôle définitif de la vie ou et à chaque fois que tu as essayé venir gagner un contrôle de la vie ou parce que contre la vie ou venir bouleverser la vie ou venir troubler ça fait la vie ou venir troubler. C'est parce que la grâce de Dieu qui t'a supposé venir gagner dans la vie, la grâce de Dieu n'est pas là. Je dis à moi, je voulais inviter pour t'a faire une expérience spéciale. Parce que présenter l'évangile, je dis à ça que nous voyons, c'est que l'évangile vient réduit à ça, yon attroupement, yon attroupement ou bien yon rassemblement autour de yon thème sous sa leçon bannière ou du moins nan mitan quatre murailles côté ou pour tout moun yon rassemble nous et puis tout moun nous fait on se bagaille nous penser que c'est l'adoration. Mes amis, je dis en c'est le jour de la repentance et la repentance va dire nous ça li pas commencer par en bas non, la repentance li fait pour commencer par en haut parce que en pile la moun qui pense que c'est leader ou du moins qui a pris en pose leader yo. Moun sa yo, ce sont des loups, ce sont des hommes qui a mené le peuple vers la faille. Et moi dou ça avec des choses avec des preuves et avec des expériences que chaque jour moi fait avec Seigneur qui démontrer moi qui moun ke liye, qui est-ce que liye et qui ça que li va faire nan jou k'ap vini yo. Moi-même, moi, j'ai un pile la peine, oui, pour des gens qui sont le leader évangélique, parce que si vous connaissez qui mon Jésus est, un pile mon t'a peur, oui. C'est parce que vous pas connaissez qui mon Jésus est. Vous juste lisez Jésus dans le livre là, vous lisez Jésus dans la Bible, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est un Dieu d'amour, etc., etc. Donc, Yoshita, il a bêtisé avec Jésus. Mes amis, où est Jésus? Slow, où est Jésus en face? Où est-il décrit là? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, Jésus, mes amis, ses yeux, c'est comme du feu. Mes amis, là, Jésus, c'est un guerrier. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas santé qu'on est, santé ouais. Si nous regardons des descriptions de Jésus, en pile, on ne peut pas voler Jésus, non? En pile, on ne peut pas prendre le peuple bon Dieu pour faire passer ma bêtise comme ça, non? En pile, on ne peut pas prendre l'huile qui n'en sait les élus. Puis yo sali concernant parce que moi-même en pile fois bon Dieu révèle moi en pile moun nous tout qui propose n'a servi bon Dieu c'est donc son machine qui con l'huile sale il va mal changer l'huile dans machine nous ouais genre l'huile dans sale on la boue cap sautant dans machine surtout l'on pas changer on peut ajouter retirer mettre c'est comme ça oui en pile dans l'église en pile dans monde cap servi dans certaines assemblées dans certaines zones c'est ça oui comme ça nous semble parce que ça moi ça plusieurs fois à côté moi l'esprit bon Dieu vini côté la vider l'huile moi personnellement quand moi m'a lavé des vaisselles comme ça vaisselle là veut dire c'est ça autrefois on couche l'huile la couche ça ou même son vaisseau quoi ou c'est on sorte de couche côté l'esprit bon Dieu descend ou même il rempli ou mais là rempli ou là ou sale l'huile là quand dans là il pas propre il pas clean c'est moment pour jeter vieille l'huile ça quand dans là pour chercher la présence de Dieu. C'est ça que fait la Bible dit sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Est-ce que vous avez échappé ce salut qui est aussi simple? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ça qui fait force dans ces paroles que nous suivons, nous suivons l'apparence. N'a pas su ça que les oreilles nous cabanent, nous, monde qui a montré nous que nous faut au lieu que nous prêter l'allégeance au roi, à Jésus, le guerrier, Jésus qui a venu pour comme le juge, nous prêter attention à des hommes, des humains, des hommes qui pourraient mourir et les fiofis de mourir qui pas qu'à faire rien pour nous. Ne servez pas le serviteur, servez Dieu, c'est lui qui en est la force. Ce n'est pas les hommes, yo prend tout ça que yo fait au marqué non yo sur yo écrit non yo sur yo, mais même l'église en pile l'église non mon écrit sur yo. Non c'est même là c'est pas non personnel parfois qui écrit sur yo, c'est eux qui choisit non bio by l'église yo. N'importe non comme si vient tourner yon business en boutique, même j'avais comme toutes ces corporations yon anyway. Parce que tous ces business c'est bien qui affilié c'est au statut de business que majorité assemblée majorité groupe qui existait c'est statut de business qui a gagné. C'est-à-dire que c'est pas le spirituel
c'est au minimum de spiritualité. En plus, on dit m'aller pour me réjouir, m'aller pour me chanter, mais cependant, dans quelle atmosphère, quelle allégeance portez-vous? Allégeance à Dieu, allégeance à Jésus. Vous devez servir le Créateur, le Sauveur et non des hommes, parce que la façon dont il se fait aujourd'hui, nous, ce sont des hommes que nous avons servi, c'est l'homme qui présente. Et l'homme, lui, n'a pas d'allégeance à personne parce qu'il s'occupe de ses affaires. Et tout ce qui est important, c'est l'accumulation des richesses, des offrandes, de l'argent et de tout ce qu'il faut. Ça pigou l'église, ça pipiti l'église, ça gagne plus monde. Et les hommes, ils ont même risqué d'appeler. Ce sont mes fidèles. Moi, j'aime bien entendre ça. C'est fidèle, moi. Qui fidèle? Qui boune, qui bon autorité pour gagner des fidèles? Qui est-ce qui va autorité ça? Vous n'êtes pas fidèle au monde. Si vous supposez au monde, c'est le fidèle de Jésus-Christ pour taille. Et Jésus-Christ lui-même, lui paraît l'eau fidèle. Je ne sais pas si moi, ça écrit aucun côté fidèle. Donc, c'est que où c'est un enfant nouveau-né, ou son disciple de Christ et non le disciple d'un homme. Vous ne sauriez être le disciple d'un homme parce que les hommes n'ont pas ce pouvoir, les hommes n'ont pas cette autorité. Les hommes sont des guides qui devraient participer à votre enseignement. Aujourd'hui, on n'enseigne pas, on prêche. On essaie de convaincre, on essaie de créer des hommes qui suivent. L'enseignement, c'est ce que Jésus était en train de faire. Et l'enseignement, il est dans la parole. L'enseignement, il n'est pas dans quelque chose que l'on a répété. Parce que si on lit la Bible, la parole doit demeurer en vous. C'est ce que David nous a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David n'a jamais dit la parole que j'ai serrée dans mon cœur et cette parole doit être restituée, corrigée, multipliée, expliquée. Non, c'est la parole qui doit être dans le cœur. C'est parole-là qui est posée dans le cœur et c'est parole-là seulement qui doit servir à votre édification. C'est comme des briques qu'on a mettées qui sont en bas et à cap monter. Tant que l'heure où à peine vient faire une connaissance avec Jésus-Christ ou tant que son petit bébé qui a bouillette. Et là, on voit l'être ça dans la présence de Dieu. C'est que l'être ça, il commence à édifier, il commence à former, il commence à faire un building qui est solide, il commence à avoir l'assurance, il commence à avoir la grâce, il commence à avoir la foi, il commence à avoir l'espérance, il faut gagner la charité, il faut gagner l'amour, et il fait que vous venez en seul avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui a trait à un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'est présenté, qui s'est immolé comme Christ s'est immolé sur la croix. Vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, et maintenant vous êtes debout comme un témoin de la grâce, un témoin de la puissance, un témoin de la venue prochaine de Jésus, parce que vous êtes les éléments que Jésus viendra chercher en tant que son époux. C'est que par la foi, vous êtes l'époux, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ qui atteint. Ce n'est pas l'époux qui a travaillé, qui a prédit, qui a pensé que c'est l'argent qui a contribué, que c'est les œuvres, que c'est ça à faire sous terre. Oui, sur cette terre, nous devons faire des œuvres, mais des œuvres qui doivent être comme c'était dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas toutes ces autorités, il n'y avait pas tous ces contrôles, il n'y avait pas tous ces gens qui se considéraient comme des franchise owners, des hommes qui ont des franchises. On appelle les franchises, c'est un magasin qui a plusieurs branches et que chaque monde prend bout de la donnée et puis on sépare elle et puis chaque monde a sous son zoo. C'est pas comme ça l'Église supposée. L'Église, c'est quelque chose que nous toutes nous avons entraidé. Une a entraidé, une a pris soin de l'autre et a aidé les autres saints qui sont dans la foi, qui ont des problèmes. Les autres saints qui non seulement ont des problèmes économiques, physiques, mais aussi des problèmes spirituels. Le soutien mutuel, le soutien et le soutien éducatif. Aujourd'hui, on n'enseigne pas. Aujourd'hui, c'est prêcher ou prêcher. Chaque monde, il y a l'apprendre à prêcher. C'était vraiment quelque chose qui est réellement affrontant parce que l'on prend la structure même de l'enseignement, la structure même des professeurs, des enseignants, de ceux qui dirigent. Il y a à apprendre des choses qui sont basées sur la littérature, des choses qui sont basées sur la linguistique. Par exemple, le homme qui a l'école de théologie, ça a fait, il enseigne un paquet éléments qui étaient conservés dans les universités d'autrefois, bien avant, éléments, ça, ce sont des éléments d'analyse. Par exemple, le monde pour un verset, il y a déchiqueté, il y a cherché, il y a fait recherche à gauche et à droite. Vous connaissez deux mêmes études qu'on fait dans les 17e, 18e, 19e siècle
pour tout auteur dans l'époque classique, dans l'époque de la Renaissance. Ce sont ces mêmes choses qui sont introduites parce que ou qu'a décidé un auteur si auteur a dit la vérité, si auteur a dit non à cause des choses à partir de ça que lui écrit qu'on y a ou qu'a checké style auteur ou qu'a checké émotion auteur ou qu'a checké toute une série de l'autre caractéristiques physiques, psychologiques de auteur. Et nous, actuellement, c'est ce qu'on enseigne. On enseigne à des hommes de faire la même chose avec la parole de Dieu. C'est que c'est comme si ces gens pouvaient contrôler le pulse du Saint-Esprit qui a inspiré ces livres. Quel malheur pour des hommes d'oser faire de telles choses. Guillaume, je me songeais mal dans l'église et je t'ai invité à me prêcher un message. Moi, j'allais me prêcher un message. Mais tout au cours de cette époque, tout au cours de messages-là, moi, j'ai senti l'inspiration de Dieu. Et après que le message a fini, il y a quelques monde qui étaient passés devant, côté nous t'ai prié pour eux. Et puis après, moi, j'étais avec un pasteur, il est censé que nous t'a parlé. Et puis, lui dit, mon cher, félicitations pour le message à côté présenté. Et puis, moi, je dis, mon cher, je regrette ça, je ne peux pas accepter, merci. Parce que tout ce message qui était prêché, c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne peux pas aucun crédit pour me prendre la donne. Quand ce pasteur répond, moi, il dit, oh, qui soit peut-être dit, là, eh bien, c'est un zombie qui t'a parlé en l'air. Eh bien, c'est un son diable qui t'a parlé en l'air, c'est pas où t'a parlé. Il dit, oh, c'est tout ça. C'est que d'après lui-même, c'est moi-même qui t'ai supposé, dans ma connaissance, ma l'école, ma prendre, je fais pile classe, je fais pile étude. Mais cependant, je n'aimerais jamais parler de pas moi-même. Parce que si c'est de moi-même que je parle, ma bonne philosophie, ma bonne même ça que les universitaires, les études, les choses classiques, bagay qui ont fait pour analyser, et moun sa qui te crée bagay sa yo, yo pas même converti, yo pas même kon bon Dieu qui te crée bagay sa yo. Ça fait aujourd'hui, dans nos universités, des hommes qui enseignent, qui ne connaissent même pas Dieu et qui forment des soi-disant pasteurs. Des soi-disant pasteurs qui sont en train de prêcher ou qui ont la vocation d'aller prêcher, ils ont été enseignés par des hommes qui ne connaissaient même pas la parole de Dieu. Des hommes qui n'avaient aucune croyance. Moun ki pat jam kwè dans la parole de Dieu, qui va même kwè dans la déification de Jésus-Christ, qui va même kwè Dieu en trois personnes, qui va même kwè dans le salut, dans la résurrection et dans le versement du sang sur la croix. C'est moun sa qui t'a enseigné. Et jusqu'à présent, il y a des livres qui existent, qui sont en circulation, qui parlent de Dieu, mais qui écrit par des hommes qui ne connaissent même pas Dieu. Et ce sont ces livres qu'on enseigne dans nos temples, dans nos églises et dans plusieurs endroits que tes petites bonnes, tu t'as supposé rassembler. Quel malheur! C'est que l'évangile, c'est quelque chose de très simple. L'évangile n'a pas de complications. L'évangile, c'est l'enseignement de la grâce en Jésus-Christ. Jésus est venu, il est venu ressusciter, il est venu, il est ressuscité, il est mort sur la croix. Ensuite, il est monté à la droite du Père, étant intercédé pour nous. Ensuite, nous-mêmes, qu'on y a, nous supposé faire volonté pour nous capables d'échapper en bas châtiment en mort. Côté grand papa, nous prions, mon qui t'a créé, il a été péché, Adam et Ève, et nous en bas châtiment ça toujours. L'évangile, c'est quelque chose qui nous sauve de la peine, de la présence et de la puissance du péché. C'est que dès que vous venez ou accepter la mort de Christ sur la croix, dès que vous acceptez la résurrection de Jésus, dès que vous acceptez que Jésus était venu pour vous, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que la parole dit. Qui ça a comme besoin là? Ou besoin on PhD pour dire au monde ça? Ou besoin on diplôme que on l'autre monde ba ou qui pour certifier ou pour dire ça? Non, Jésus pas te faire li. L'apôtre Paul pas te faire li. Pas gère on côté dans Bible côté ou te font l'école côté on alchita puis a enseigné. Oui, faut à l'école, faut apprendre, faut qu'on lit. Mais cependant, l'enseignement de l'évangile n'est pas toute hype ça je dis que nous balire. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une grâce. L'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jean-Baptiste, il était campé dans le désert, il t'a parlé avec le roi Hérode. Hérode Antalicus, il t'a parlé avec lui, il t'a parlé de péché. On l'a dit, on a couvert sur ça pour nous faire nous connaître. Qu'est-ce qu'il y en a, frère de ces Hérodes? C'est trois frères Hérodes qui ont dirigé la Palestine. C'est trois frères Hérodes. Et dans la même époque, c'est que Jean représenté dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, il représente un Hérode, jusqu'à la mort de Jésus. Il a mené Jésus devant Ponce Pilate. C'est pour nous apprendre l'histoire, pour nous connaître qui est-ce que Mounsa a été, de quelles circonstances, parce que en pile fois, même l'église, même l'école que Mounsa a allé, il n'a pas enseigné qui ça a voulu dire, qui Mounsa a été, côté a été sorti, pour qui raison a été là, et qui rôle politique, qui rôle social, qui rôle économique, et qui rôle spirituel qui a été de jouer également. Pour qui ça c'est rôle ça, qui genre de politique qui t'a fait en bas à cette époque.
L'évangile, c'est quelque chose de très simple, qui n'est pas compliqué du tout. Mais cependant que de nos jours, nous venons réduire à un commerce, que nous réduit à un give me, give me, give me. C'est là qu'on m'a allé dans kermesse, moi rentrer, et puis à la fin, moi payer pour lui, moi payer pour connaissance. C'est cette apparence aujourd'hui qu'on donne à l'évangile. L'évangile, c'est une grâce. L'évangile, c'est la paix. L'évangile, c'est une puissance. Je vous invite aujourd'hui, ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, ceux qui m'écoutent, ceux qui ont le privilège de m'entendre cet après-midi, de vous donner à Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose, c'est seulement un engagement. C'est ça qui fait compliqué, il y a une difficile, parce que l'Italie vient de difficile, il fait le tourner, quand Jésus dit dans le temple, il fait le tourner en caverne de voleurs. C'est-à-dire que le temple est devenu une caverne de voleurs, parce qu'il y a compliqué, il y a compliqué, parce que c'est moi-même seulement qui a dit ça, pas quelqu'un qui a dit ça encore. C'est-à-dire qu'il y a une monopolisation même de cette chose qui devait être gratuite, cette chose qui devrait être attribuée à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a cette habilité de parler, parce que c'est à partir de là qu'on recevra notre récompense. L'heure est arrivée. Tout le monde qui a une bouche pour parler, tout le monde qui a une oreille pour tendre, tout le monde qui a un pied pour marcher, pour aller présenter parole, ça aussi simple que nous parler de l'IASOR, la grâce de Dieu vous suffit, vous aurez votre couronne. C'est comme ça. Autrefois, moi, j'ai appris l'évangile. C'est pas façon ça moi les jeudi à côté, c'est quelque chose de compliqué, il faut être docteur, il faut avoir PhD, chaque monde a pu s'échanger non yo, il a pu se prendre titre qui beaucoup plus haut, bishop, archbishop, on sait des titres parce que autrefois c'est pas comme ça, le thème pas j'aime moi en ces temps monde ça t'a chercher titre, pas que vous a chercher pour te gagner plus gros titre passer l'autre. Pas de ça autrefois, il pas dans la Bible, il nulle part. C'est que c'était des apôtres qui ont prêché et même l'apôtre Jean côté là elle l'ont choisi l'huile mes amis. Dans le livre de l'Apocalypse, que bientôt, je pense qu'il m'a bien une opportunité pour nous présenter pour nous, parce que le livre de l'Apocalypse, de la façon dont il est présenté aujourd'hui, ce livre qui était adressé comme la prophétie du futur, l'interprétation de ce livre est mal faite. C'est que, mes amis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas d'un homme. Cela ne vient pas d'une église, église locale, église internationale, whatever. Cela vient de Dieu. Il n'y a qu'une seule église, l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Dès le moment que vous mettez à genoux ou acceptez la mort de Christ sur la croix, ou acceptez que l'il ressuscité, ou acceptez recevoir le Saint-Esprit et le baptême, dans toute la connaissance de cause d'une personne qui est capable et qui a gagné toute cognitivité li sou li, qui acceptait la présence de Jésus dans sa vie, automatiquement ou vini yon membre de l'église universelle, l'église de Jésus-Christ, et c'est l'église à que Jésus a venu chercher. C'est pas votre appartenance à une église locale, c'est votre appartenance à Jésus comme un guerrier, comme celui qui est en train de suivre le maître. Le maître n'a pas de troupeau, le maître n'a jamais imposé à ses enfants. Il dit, Jésus prêche de tous côtés. Mais c'est le monde qui a une opportunité pour suivre Jésus ou suivre Jésus jusqu'à la fin. Mais le monde, côté, par exemple, si Jésus était prêché aujourd'hui, hein, par exemple, nous quelque part aux États-Unis, ou, par exemple, supposons que nous à New York, Jésus prêche à Atlanta et tout côté ça, Jésus n'a pas exigé, non pour tout le monde qui est sorti de New York vers Atlanta d'elle. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui continuait à faire travail là. Mais aujourd'hui, à cause de tout ça qui existait, yo, des hommes, à cause de leur avidité, ils ont utilisé tout ça, puis ils ont fait beurre. Et c'est là le problème de nos églises aujourd'hui. C'est là ce qu'on appelle la franchisation de l'église. On a dit, chaque église vient de nos franchises, côté chaque monde mette tête en côté, moi fait pam, de façon où viennent des milliers, chaque coin, on a 5 dans une petite boîte, dans un petit commerce dans chaque coin. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est une grâce qui pénètre. L'évangile, c'est quelque chose qui rentre dans l'âme, le corps, qui pénètre les joints, les moelles, qui rentre et qui fait que vous venez rompre quelque chose d'extraordinaire, qui bat au feeling. Et feeling, ça ne peut pas expliquer au lit, parce que la présence de Dieu dans votre vie ne peut pas s'expliquer. C'est quelque chose d'extraordinaire que personne ne peut décrire, parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui fait vivre. Et qui peut donner la vie? Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cet évangile
que tout le monde devrait savoir. C'est l'évangile en tout les besoins qu'on est. Parce que si on connaît Christ, Christ apprend nous libres, ou pas besoin d'être esclave, personne. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, les hommes qui disent qu'ils suivent de Dieu, ont réduit l'église de Dieu à un état d'esclavage. Ce sont des bourreaux qui sont en train de maltraiter le peuple de Dieu avec toutes formes de pression. Pression spirituelle, pression physique, pression économique, pression sociale, pression intellectuelle, toutes sortes de pressions sur les enfants de Dieu. Mais ces hommes-là seront jugés parce qu'ils pensent qu'ils peuvent donner la vie. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et c'est Jésus. Et c'est à ce Jésus que nous devons gagner toute allégeance. Non? À ce moment-là, je ne veux pas vérité, toi, je te viens juste pour te jouer en musique. Mais cependant, pendant que je joue musique là, tu payes à mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, notre précieux sauveur. C'est seulement ça qu'on a besoin. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de ce sauveur dans votre vie. C'est la présence de Dieu. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ça que nous avons besoin. À ce moment-là, je vais pas jouer un morceau final pour nous. Ensuite, je vais conclure. Moi, souhaiter à ce que l'opportunité ça que moi gagne pour moi dire deux trois mots pour laisser quelque chose d'extraordinaire qui va servir à votre édification. Sans nous pas perdre du tout de temps, moi pour aller retourner, moi pour aller commencer jouer l'autre musique, m'a passé chercher un chant qui est approprié avec ça que nous sommes parler là qu'on y a pour nous capable présenter chant ça pour vous. Donc dans une minute n'a fait ça pour vous. Donc à ce si toutefois ou pas j'ai une opportunité pour te faire connaissance avec la parole avec Jésus-Christ lui-même. C'est pas un bail qui est compliqué, c'est un bail qui est aussi difficile que yo essayer faire nous comprendre. Servir bon Dieu, c'est un bail qui est tellement simple. Servir bon Dieu, c'est un bail qui est pas difficile. Servir bon Dieu, c'est servir bon Dieu. Si vous voulez servir bon Dieu aujourd'hui a ou juste besoin pour une décision personnelle pour dire moi-même moi a fait m'a servir bon Dieu. Donc, nous souhaitons dans un moment ça où tu es capable de faire un choix pour servir bon Dieu. Pour servir bon Dieu. Et nous invitons dans un moment ça. Nous invitons dans un moment ça pour capable de soit prendre décision ça, soit pour connaître que Guillaume Jou et papa, grand papa, il était mort sur un bois, sous bois calvaire. Grand papa, il était souffri, il était mort. Et c'est le moment pour nous-mêmes. Pour nous observer et pour nous marcher avec lui et pour nous faire connaître que c'est nous-mêmes qui décidons pour nous prendre marche ça pour nous marcher avec lui dans le chemin la vie. Donc moi je vais chanter ça et ensuite n'a fait même.
a conclu session ça dans moment. Nous disons merci parce que tu as suivi le programme ça ensemble avec nous. Je dis à un petit changement simple qui arrivait, donc nous pensons qu'il était nécessaire pour nous dire deux mots ça que nous disons. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque la présence du Saint-Esprit se fait sentir, il y a un paquet de bagailles qu'on ne peut pas expliquer, il y a un pile de bagailles qu'on ne peut pas comprendre. Parce que l'inspiration divine, l'arrivée sous, lorsque vous sentez l'imposition de cette puissance sur votre personnalité, c'est que la grâce les descend. Et c'est quelque chose qui est aussi simple, qui n'est pas aussi compliqué qu'on puisse essayer de l'assumer. Parce que l'Esprit bon Dieu vient les descendre sous vous, c'est cette alliance, c'est ce contrat simple que quelqu'un que j'ai fait il y a plus de 50 ans, parce que j'étais encore enfant, lorsque moi décidé pour moi marcher avec bon Dieu. Et que dans le moment ça a pris une décision ça pour marcher avec bon Dieu, tout package là vient joindre nous. Tout élément au vini, tout à toutes sortes de besoins, tous outils, tout ça que corps t'a besoin, tout ça esprit ou t'a besoin, tout ça que corps, tout ça que entourage ou t'a besoin, bon Dieu barou, la présence du Saint-Esprit, il vient avec tout ou pas rien qui manquait parce que automatiquement qu'on vient ou à suivre bon Dieu, il vient avec toute bagaille. Et l'homme dit il vient avec toute bagaille, il vient avec connaissance, il vient avec puissance, il vient avec toute décision de making, tout ça qu'on besoin vient dans le package. C'est pas un bagage qui est assez simple. Il y a des fois, il y a des côtés où pas qu'on qui ça pour faire, ou pas qu'on est qui décision pour prendre, ou pas qu'on est qui, des fois, côté qui a sauté, il y a des fois, oui, qu'on arrive à nous sauter, nous sommes dans des situations qui sont difficiles. Mais en ce moment-là, encore, cette alliance que nous faisons avec Dieu, il fait nous connaître que Guillaume parole qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Encore une fois, il y a des portes qui ouvrent sans qu'on ne même connaître côté bagaille sorti, ou est porte là ouverte, ou est parfois porte là ouverte, ou pas même comprendre comment le faire ouvert. Parce que c'est la présence de Dieu qui dirige, c'est ce automatique, c'est ce thermostat. Au thermostat, ça, chaque fois température trop chaud, il fait le vin cool. Et si toutefois, tout il fait frais, tout, chaque fois trop froid, il fait le vin chaud pour pas tomber en bas Freddy. C'est que la vie ou vient régler, la vie ou vient contrôler, la vie ou vient entre les mains de Dieu. T'as couché dit, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Parce que Jésus-Christ, c'est aussi la présence de Jésus, c'est aussi quand son policy d'assurance que lié. Côté, il n'y a pas de menace. Côté, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de perte. Parce que Christ est notre vie. Christ est notre vie. Et même la mort est un gain, dit la parole. À ce si je t'apprends pour me parler, je t'apprends en pile parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui inspire. C'est quelque chose qui donne la force. C'est quelque chose qui donne le langage. C'est quelque chose qui encourage. Et c'est quelque chose qui permet à nous de subsister, de survivre et de présenter la personnalité même de Dieu qui habite en nous. Assurez à moi de vous merci parce que vous avez écouté. Ce n'est pas que moi je voulais aller, mais vous connaissez, on a fait du temps, on a attendu quelques temps, nous jouons musique, nous chantons, nous parlons. Et c'est en ce moment que je vais vous laisser. Je vous demande de réfléchir sur votre vie. Est-ce que ça va faire effectivement ou bien la présence de Dieu et ou bien la présence de Dieu contrôle votre vie ou quelqu'un d'autre à la barre? Il faut remettre tout à Jésus. Ma finir avec une dernière musique. Et puis, moi, je vais pas tourner encore. Passez une bonne semaine. Que la paix, la grâce, la joie, le salut cap avec vous. Depuis jeudi jusqu'au temps venu de Jésus qui a venu chercher nous. Mettez-vous prêt parce que le jour est proche.
programme comme ça. À bientôt, est-ce que la grâce, la paix, la joie, le salut, avec chaque monde qui est en message, ça, c'est moi fini le programme, c'est moi coupé. Gloire soit rendue à Dieu, de l'être jusqu'à toujours.